On était au tournoi du Canadien, le tournoi de golf l'année passée. Puis on déjeune ensemble en tête à tête, puis on est tout le temps ensemble, tu sais. Puis là, il me dit, je pense qu'il faut que j'aille changer mon masque. Puis là, je le regarde, puis je dis, Chris, t'as même pas de masque dans la face, ça, c'est. Et il dit, non, je m'en mets un dans le cul quand je suis trop. Okay. Il met un masque. Il se fait un masque dans le cul. Asti, que c'est drôle, ça! J'ai oublié la partie A de l'histoire, c'est que quand je suis arrivé, moi, en char, il faisait sécher ses bobettes au parc, sur le haut du char. C'est vrai, en plus. Asti, que j'aime. Ah, calice, que, pour vrai. Si je n'étais pas marié, je te fiancerais. Calice, que c'est drôle. Asti, que c'est drôle. Mais c'est ça que j'aime de. Tu sais, toi et Guillaume, vous avez une relation de bully-victime que je trouve bien fun. Oui. Là, le pire, lui, il fait semblant d'aller pisser. Il est en train de pleurer. Il pense à son oncle, là, c'est grave. Là. Et je viens de réaliser, quand t'es revenu, qu'il y a des speakers dans les toilettes. Oui. T'as dit que tu le fiancerais? Ouais. Tu penses que je me suis senti comment, moi? Parce qu'on est vraiment, vraiment en couple, là, presque. Là. Right. Ça n'a pas de bon sens. Hier, minuit 45, j'endors mes filles, à un moment donné, pidip, le téléphone sonne. Minuit 45, là, ça réveille toute la famille. Est-ce qu'on devrait s'inscrire aux Gémeaux? Non. C'est comme, mais, va te coucher, Chris. C'était ça mon texte. Mais là, quand j'ai entendu l'histoire, tu sais, quand on était invité à quelque part, il faut emmener un cadeau d'autre. Mais je t'ai emmené un cadeau. C'est vrai? Ouais. Oh, nice. Ah, merci. Hey, belle écrit, voyons. Oh, merci. Voyons que tu le mets pas.